Berlin tente de faire baisser la pression avec la Turquie après l'annulation de 3 meetings de campagne pro-Erdogan en Allemagne. Les chefs de la diplomatie allemande et turque se sont rencontrés. Selon Ankara, l'Allemagne tente, par le biais des interdictions, de favoriser ainsi le non au référendum destiné à renforcer les pouvoirs du président turc. Nous voulons nous entendre bien et paisiblement avec ce pays, remarque le chef de la diplomatie allemande, et résoudre les différends de manière démocratique pour faire en sorte que personne ne soit traité de manière irrespectueuse et qu'il puisse compter sur l'amitié des Allemands. Mais il y a simplement des limites à ne pas dépasser, comme nous comparer avec l'Allemagne nazie. Les tentatives d'empêcher les meetings au prétexte d'un manque de sécurité ou d'infrastructures inadaptées coïncident avec la détention en Turquie du correspondant germano-turc du journal Die Welt. Nous devons d'abord décider d'une chose. Voulons-nous continuer comme deux nations amies ou préférons-nous couper les liens ? Interroge le chef de la diplomatie turque. Nous, la Turquie, sommes favorables à la poursuite des relations amicales, mais l'Allemagne doit également se prononcer sur cette question afin que nous avancions conformément à cette décision. Entre les deux pays, une brouille n'est pas anodine, sachant que l'Allemagne accueille la plus grande communauté turque à l'étranger.